cet après-midi, je pense que les faits de jeu nous ont été défavorables. Voilà, ça arrive dans le football. Je crois que c'est dommage que ça arrive ce dernier match avant la trêve. Effectivement, les faits de jeu, il y a des matchs comme ça où voilà, ça nous est défavorable. Nous, ça l'a été complètement. En plus, bon, des décisions, je trouve, pour ma part, un peu, notamment sur l'expulsion de Mama, un peu hâtif quand même, parce que bon, j'ai regardé les images avant de vous voir, bien sûr, et je trouve que bon, un jaune, c'était suffisant, quoi. Je veux dire, parce qu'on ne voit pas bien qu'elle y met le coup de boule à l'autre, quoi. Je veux dire, enfin voilà, c'est comme ça. Et même, je ne suis pas certain que l'arbitre ait tellement vu. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est des faits de jeu. Moi, je ne suis pas là pour commenter ça. Je suis là pour m'occuper de mon équipe. Après, il faut aussi reconnaître qu'on a manqué de maîtrise dans la partie de terrain adverse. Et ça, c'est vrai que on a manqué quelques petites choses, je dirais, et surtout des choses faciles qui ne nous ont pas mis en confiance, notamment en début de match, hein, où quand même on fait un début de match au bout d'une minute, hein, on est déjà en difficulté. Il faut reconnaître que notre début de match n'a pas été bon. Et puis on est revenu progressivement dans le match, et là c'était beaucoup mieux, on a équilibré les choses. Après, on prend deux buts sur pénalty, on n'a pas pris de but dans le jeu. Nous, on a fait une seule... une bonne contre-attaque, on a quand même marqué un but. Alors même si c'est pas nous qui l'avons marqué, il y avait quelqu'un qui allait le mettre derrière. Mais voilà, je pense que c'était pas un si mauvais match que cela de notre part, mais c'était pas non plus c'était pas super. On aurait pu, encore une fois, je pense, avoir plus de maîtrise, et c'est ce qui nous a un peu manqué sur ce match. Maintenant, le match nul, je pense, n'aurait pas dépareillé. Mais ce n'est qu'un avis. Voilà, c'est frustrant, quoi. C'est d'être frustrant. C'est frustrant pour le coach, frustrant pour les joueurs. Encore plus frustrant pour le gardien, je crois, parce que c'est pas facile, un pénalty. Maintenant, il faut accepter aussi l'effet de jeu. Voilà, ça fait partie du foot, ça fait partie de notre métier. De temps en temps, c'est pour nous, et de temps en temps, c'est contre nous. Ce soir, ça nous a été défavorable. Voilà, en plus... C'est très contrariant parce que j'avais prévu d'autres choses quand on prend ce deuxième but notamment. Puis j'ai pas pu le faire, alors c'est un peu frustrant pour moi. Voilà, j'avais prévu de faire autre chose ou d'essayer au moins autre chose. J'ai pas pu. En plus avec l'expulsion, après on finit en 4-4-1, donc c'est pas facile non plus. Voilà, mais bon, encore une fois, il faut accepter l'effet de jeu défavorable. Ça fait partie de notre job. Bon, on sait aussi qu'on était dans ces équipes qui allaient lutter, pardon, contre ces quatre, pour pas être dans ces quatre dernières places. Faut pas se tromper. C'est vrai qu'on a laissé entrevoir quelques bons matchs, quelques bonnes phases, quelques bonnes mi-temps, mais bon, on va lutter, mais on luttera, ça c'est sûr. Je ne me fais pas de soucis pour ce groupe qui a des valeurs. Footballistique intéressante. Maintenant, bon, il y a une petite période un petit peu trouble.